Salut, bienvenue à ce nouveau vlog. Vous avez vu? Ça tire un petit peu vers le gris, le beige, parfois un peu le blanc, mes cheveux. Et il est 8h, je vous disais qu'on devait aller ce matin au garage. On va donc y aller pour déposer la voiture, faire quelques réparations et notamment la clim. Alors là, ça c'est cool, franchement, si ils peuvent la réparer. Et après, on rentre. Enfin, non, d'abord, on va en ville chercher les petites viennoiseries. On déjeune et ensuite, bah, je me mets au taf. On a un chat qui est bien énervé ce matin parce qu'en fait il a eu qu'un petit peu du déjeuner. Je te donnerai la suite quand papa-maman reviendront. Si. Si, on va déjeuner après. Tous ensemble. Oui, t'es content, hein? T'as vu, ils l'ont laissé allumer, comment ça se fait? Ah ouais? Elle coûte 50 000 euros cette voiture. Non. C'est 700 euros par mois si tu veux l'acheter. Non. Ah ouais, pourquoi il est petit comme ça le volant? C'est chez Peugeot, il faut les petits volants. Ce qui part du principe, c'est plus pratique, alors il paraît-il. Ouais. Ah ouais? Tu le tournes facilement. Bon, ça fait un petit peu volant de course. Hein. C'est fou, hein? Ouais. Allez, on va tester la voiture électrique, il n'a jamais essayé ça. Alors, on est dans un parc d'air Tipeee. Tipeee électrique. Électrique. Autant te dire que c'est. T'as jamais testé ça? J'ai jamais conduit. Ils nous ont dit qu'il y avait 127 km d'autonomie, donc faut pas qu'on déconne. Surtout quand tu prends la clim, ça va vachement la diminuer. Bon, on va essayer. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de bruit. Ça va être top. Tu te rappelles pas? Bah non, je t'ai laissé. Start, si tu veux que tu mettes sur P, voilà. Et peut-être qu'il faut que tu fasses quand même un tour de ça. Non. Un tour de clé. Tu mets sur P, tu tournes la clé. C'est ce que j'avais dit. Ça fait drôle même, hein. Il n'y a aucun bruit. C'est dingue. C'est top, hein. Du coup, tu parles tout bas, genre. On va t'entendre. Et c'est une autre façon de conduire. Hein. Je suis pas très, du tout à l'aise en réalité. Je suis même hyper nerveux. Je et comprends. J'aimerais bien que personne fasse de bruit pendant que je conduis. Tu sais que tu me fais flipper là en fait, à pas être sûr de toi. Moi j'ai dit, on parle pas, ok. Merci, parce que je viens de dire il y a 2 secondes. Laisse-moi me concentrer. On n'est pas arrivé. Quoi? Rien, rien. Ouais, mais. Bah, ce qui est top, c'est que ça pollue pas, quoi. C'est l'avenir. Allez, direction la boulangerie. C'est donc le nouveau partenaire Tipeee 100% électrique. Mais effectivement, oui, c'est tout le monde aura ça dans 20 ans, c'est l'avenir. Allez, bébé, j'ai faim, moi. Ah, tu as testé ta nouvelle tasse déjà? J'ai testé. Quand? Ah, t'as pris déjà un petit café? Bon, oui. Jack, tu veux avoir ton deuxième petit déjeuner? Oui. Il vient d'essayer de voler mon truc quand je me suis levée. Un petit bout de mon pain au chocolat. Jackie, Jack, dis-le, dis la vérité. T'as essayé de voler. Avant que je monte. Avant que je monte. Chut. Avant que je monte. Regardez l'état. Arrête. Il m'agace, il dit que j'articule pas. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que je n'articule pas. Bref. Bref. Regardez l'état de ma chaussure. Elle va péter, hein. Donc je vais aller m'en chercher, c'est les soldes. Je pense que j'irai cet après-midi. Ça va non, là? C'est pas je vais, c'est je vais. Je vais. Oui, mais tu as raison. Enfin, ça va au niveau de. Bon. Allez, c'est bon, tu m'as saoulé. Il est 1h30, je viens de terminer le vlog et je me suis fait une petite salade. Elle a l'air trop bonne, c'est plein de crudités. Bon, j'aurais voulu un peu de feta, j'en avais plus, et des œufs. Il faudrait que je m'en prenne aussi de ça. Betterave, concombre, cheddar, et j'ai rajouté un peu d'huile d'olive. On va y aller. Je me suis mis un petit rouge à lèvres, corail. C'est, je vous l'ai montré, de chez la nouvelle collection, c'est les Jumbo de Yves Rocher. Ça brille, c'est pas le jumbo, c'est que j'ai mis un petit baume hydratant. Je sais plus comment s'appelle la boutique. Chaussea. Si, c'est ça, Chaussea. C'est une des nouvelles boutiques. Franchement, si je trouve pas décompensé, parce que je veux reprendre décompensé. Je trouve que l'été, ça fait joli. Ça fait même une belle silhouette quand t'es en jean. De toute façon, vous allez venir avec nous. Bah oui, nous. C'est les fermetures automatiques des portes. Ah ouais, j'ai quand même roulé sur à partir d'une certaine une canette. Oh putain! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est parce fait que j'appuie pas sur la bonne pédale. Ah. C'est parce que j'essaie d'appuyer sur l'embrayage. Comme un con. Ça va? Ouais.
Non, ça va pas. Si, 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 mais ça me fait à chaque fois. Donc c'est la dernière fois que j'ai fait. C'est bon ? Ouais. Rien déjà, même pas. Comprends pas que tu cales, oui. Chaussée A, c'est là. Ah bah c'est ici. Les chaussures compensées, mais moi je veux vraiment avec une bride. Par exemple ça, la bride elle est beaucoup trop basse, j'aime pas. J'ai craqué sur deux paires. Tout est soldé, sauf cette paire et cette paire. Ouais, c'est là. C'est fou, hein. Non mais regardez, tout est soldé. Sauf celle que j'ai prise là et l'autre. Enfin, ça va, elles sont à 29 euros, mais bon, je suis dégoûtée là. Je vous montrerai les deux paires que j'ai trouvées à la maison. Ils sont sympas les sacs en plus, je trouve. Bon, vous l'aurez compris, hein, moi je suis Kabi. Tu sais que des fois, il y a des trucs sympas. Hein. Je te rappelle, on avait trouvé notamment des petits t-shirts, ce genre de trucs. Oui, un peu sympa. Bon, tant tu les mets, tu rigoles. Voilà, j'ai déjà trouvé un petit t-shirt tout mimi. Alors pareil, hein, on se posera tranquillement à la maison et vous verrez tout. J'ai plein de trucs à essayer. Pantalon, robe longue, t-shirt. Il y a des trucs sympas quand même, vraiment. Là, j'ai dit à Eric d'aller voir, parce que même au niveau t-shirt et tout, je trouve ça cool. Première tenue, c'est un fail. J'avais beaucoup d'espoir sur ce pantalon. Il me manque des bas. Non, ça va pas au niveau de la coupe. Ou alors, il faudrait peut-être un 38. Comment tu fais quand tu essayes une chemise? Oh non, elle est bien. Elle te tombe très très bien. C'est ça. Ouais, tu es beau. Bouge ton corps, bébé. Oh, mais arrête. Hé, regarde. J'avais beaucoup d'espoir sur ce pantalon. Alors regarde, vas-y, tu le filmes là. Ouais. On va voir s'il danse bien. Oh non. T'as craqué, hein. Bon allez, moi je continue. Je la prends alors la robe que j'ai sur moi. Ouais, je prends ma chemise, moi. Ouais, tu la prends, allez. Attends, j'en ai une autre à te montrer. Ouais, mais attends. J'en ai une autre à te montrer. Oui, bah, oh, oh. C'est une robe longue. Très, très longue. Alors, j'aime bien, mais je vois pas que ce soit. J'aurais préféré que ce soit pas en V. Mais bon, pour le prix, je vais la prendre, elle est bien. Comment ? À ton avis, je parle à qui? Il est dans la cabine à côté. Avec des baskets, ça va être très très bien. Voilà, c'est la même en noir. Oui, c'est ça. Oui. Bah, prends, écoute, t'as toujours besoin. Hein. Oui. Ah, bah, tu vois. On reçoit un appel, le véhicule est prêt. Oui. C'est bien ça? C'est bon? Oui, c'est bon. Allez. On va goûter, puis après, je vous pose. On va regarder notre trouvaille solde. Peut-être que j'enlève ça aussi. J'espère que ça va lui plaire. Un beignet. Ça va, c'est light. Et moi, je me suis pris une petite tarte aux abricots. Ça, c'est pour une autre fois. C'est quoi? Ça bouge en boîte. Regardez-moi ça, elle est toute mimi, cette petite tartelette. Je sais pas pourquoi, ça me donne envie. Mince. J'ai décollé toute la framboise. Alors, tu dois deviner ce que je t'ai pris. Un Bostock. Non. Un flan. Non. Bah viens. Poisson aux amandes. Non. Oh, un beignet. J'allais oublier, parce que ça va fermer la poste. Envoyer les colis des gagnantes. Et à la pharmacie pour renouveler mon traitement aussi. Et puis quand je rentre, bien évidemment, j'oublie pas de vous montrer mes achats soldes. Ils sont en train de préparer, c'est les vendredis de l'été. Il y a des groupes et tout. Je crois qu'Eric il a dit qu'il voulait aller prendre un petit verre ce soir. Je crois que c'est sympa qu'il fasse ça, je trouve. Allez, cette fois-ci, je vous montre. Vous voyez cette tête de la fille qui est trop chaud? Je vais commencer par les chaussures, il y a donc deux paires. Une première qui se trouve comme ça. Elle était très belle. Donc 29, hein. 29,99, donc 30 euros. Un talon qui est assez large quand même, donc ça va, c'est haut mais c'est large. Ça fait quand même un joli pied avec la tache. La seconde paire, c'est des compensés. Je les avais vues la dernière fois, mais elles n'étaient pas du tout à ma taille. Elles sont mignonnes, hein. Hyper originales, je trouve. On a un effet cuir et puis là, ça fait un côté un peu marin en jean. Très très bien. J'ai pris également ça. C'est une semelle en gêne. Elle m'a dit pour cette paire parce que le pied a tendance à glisser. Donc bah, je vais vous mettre hein, dessus. Eric, chez Chaussea, bah, lui, c'est pris ça. Une fouchette parce qu'il en a marre de se trimballer son sac à dos. Apparemment, ça l'embête. Donc là, ça minimise. Il n'y a pas grand chose dedans. 11,99€, 12 euros. Les chemises, hein, Eric s'est pris combien coûté d'ailleurs 15 euros, ça vaut le coup. Très très bien, un basique. Donc la même, vous avez vu, en noir. De mon côté, je me suis pris. J'ai pris ce t-shirt Grease.
Donc c'est forme classique t-shirt, mais c'est vrai que l'imprimé est super sympa. 10 euros, tu payes ça. Et taille XS, j'ai pris le pantalon. Le 36 m'allait pas du tout, hein. Il me serrait, ça faisait pas joli. Mais comme je l'aimais bien, je l'ai pris en 38. Donc je l'ai serré, s'il me va pas, je me ferai rembourser. Enfin, je me ferai rembourser ou j'échangerai. Parce que je le trouve tellement agréable, il est fluide et puis il peut être sympa. Je pense qu'accessoiriser, ça peut être cool. Ben, si, je voulais montrer la robe que j'ai prise. Elle est très très sympa. Le fait qu'elle soit longue, elle est fendue en bas. De toute façon, je vous montrerai pareil, j'essaierai tout ça. Un autre t-shirt. Vraiment, ils ont des t-shirts sympas à chaque fois. Je vais mettre à l'endroit. Je l'avais pas remis. Non, je vous ai pas dit le prix de la robe, pardon. Robe longue fendue, 15 euros. Je suis en train de me dire que j'ai pris aucun article soldé. C'est pas possible. Ce t-shirt, tout simple, bleu marine et une matière ultra douce. Je regarde, Sweet Candy, ça s'est brodé. Ce t-shirt taille XS est au prix de 6 euros. Ça va. Je viens de lui donner un petit goûter, il est repu. Tu m'as encore fait tomber la couverture. Finalement, je vais le garder, ce pantalon. J'aime beaucoup les motifs. Il va être très confort à porter à la maison. Parce que vraiment, enfin, c'est au niveau des hanches. Donc c'est pas top. Mais qu'est-ce qu'on est bien dedans. Je me suis posée là. Faire une petite pause lecture. Je suis vannée. Ça me réussit vraiment pas, moi, de me lever tôt. Même si 7 heures, c'est pas tôt. Mais comme je couche tellement tard parce que j'arrive pas à dormir, si je dors que 4-5 heures, je suis flinguée. Je ne tiens pas. Donc voilà, je faisais la petite pause, ça fait du bien. Et après, on va grignoter. Et je vais me mettre, je vais me faire un grand plaisir de continuer ma série qui est absolument dingue. Je vais bosser une petite demi-heure encore sur le montage, je vais descendre manger. Et je vais clôturer, tout simplement parce qu'après, je vais regarder OCS, tranquillou, ma série d'ailleurs au passage. C'est La Servante Écarlate, ça y est, j'ai commencé. Oh là là, elle est dingue cette série. Donc je vais vous faire un gros bisou et vous dire à demain. Vous êtes en train de regarder ce que vous êtes en train de regarder. C'est une mise en abîme. Je vais vous dire donc à demain pour un nouveau vlog. Ou pas. Allez, salut.